Je m'appelle Fabien Dewin, je suis le chef du restaurant Le Bastion à La Grasse, associé avec Valentin Arnoux. J'ai 31 ans, ça fait 15 ans que je fais ce métier. On est installé depuis 4 ans et demi sur La Grasse. On est situé vraiment au cœur du bassin méditerranéen. Dans nos plats, bien évidemment, en fait, le vin est vraiment une chose intéressante, c'est primordial. Moi, je crée un plat. Et le sommelier vient s'adapter, donc bien sûr il y a un échange et on vient trouver le vin qui va avec le plat. Mais on réfléchit des fois à l'inverse, un vin peut très bien aussi amener sur un plat. Ce qui est intéressant, c'est que le vin va pouvoir jouer un jeu double. On peut aller chercher l'accord sur le vin, mais aussi sur le plat. Parce que le vin est suffisamment complexe qu'on se pose la question de comment correctement l'accorder, là où la cuisine d'un chef est suffisamment complexe pour qu'on se pose la même question. Ce qu'on recherche par l'excellence de nos efforts, ça va être certainement la résonance, c'est-à-dire le fait que le plat, le vin vont marcher au pas ensemble et donner plus d'effet à eux deux que ce que séparément ils auraient pu faire. Pour les Corbières, on va retrouver vraiment une pluralité de terroirs, pour des cépages quand même où on va retrouver du corps, beaucoup de fruits, des fruits noirs. La caractéristique des Corbières, c'est des jolis tanins, des très beaux tanins même, je pourrais parler. Des vins avec de la générosité vraiment à l'intérieur. Et on va retrouver de la fraîcheur et on va dire d'élégance aussi, beaucoup. On est parti sur un veau, donc on est sur un veau vitelier, cul basse température. On est vraiment dans l'esprit méditerranéen, où on va travailler du veau, de l'olive noire, de la tomate, on va travailler de l'artichaut et là-dessus, on va y rajouter de la truffe d'été. La truffe d'été, c'est ce qui va apporter ce côté un peu noisette, un petit peu champignon et ce qui va faire que ça va tourner avec la mondaine de Philippe Estrade. Pour le vin de Caragui, donc de Benjamin, l'idée là, c'est vraiment de partir sur la mer. Alors on travaille vraiment autour du poisson, c'est un poisson, un bar de ligne qu'on a cuit à la nacre, c'est un bar qu'on vient faire maturer avec du plancton. À côté de ça, on va venir casser tout ce côté marin avec du petit pois, du céleri qui va donner un peu d'ardence et un peu de... Voilà, qu'on rajoute un petit peu aussi pour faire un peu de puissance, de la lierre. On vient le frotter comme un wasabi, on vient mettre ça sur le petit pois, ça va donner un peu de peps. Il y a un côté très frais dans ce plat. Et avec le velours du vin, c'est un contraste superbe.